Yeah, I don't know what to be wrong. Me, I want to do my video song. Which man they call me? When I drop my life call, you know the call again. When I start life, you the call back. C'est comme ça. Il y a trop de sorciers ici dehors. Bon. Parlons-en. On est en train de parler de ton fils. Que je vois les commentaires bête. Les gens sont en train de mettre les commentaires. Et ton fils serait le futur président du Cameroun. Je ne sais pas c'est quoi qui compte avant de raconter des conneries comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que le régime de Pobre les a tellement traumatisés qu'ils ne savent plus quoi dire. Il faut raconter du n'importe quoi. Je ne sais pas quelle qualification Etofis a. Je ne sais pas d'où Etofis a déjà fait ses preuves en tant que leader. Je ne sais pas depuis près de 6 mois et demi, je ne sais pas ce qu'Etofis a apporté au Cameroun en tant que président de FECA Foot. Je ne sais pas si le football. Si le football apporte quelque chose dans un pays. Parce que si le football a changé le pays, mais c'est que le Cameroun aujourd'hui n'est pas le dernier en Afrique. Par exemple, disons-nous les quatre priorités. Le Cameroun est le dernier pays en Afrique. En ce qui concerne le développement. Le développement, les infrastructures et toutes ces choses. Le Cameroun est le dernier. Il n'y a pas le dernier, il n'y a pas le. En mesurant notre richesse, ce que nous avons, ce que nous avons dans ce pays, toutes les richesses que nous avons dans ce pays, si on veut regarder de ce côté-là, c'est que le Cameroun est le dernier en Afrique. En ce qui concerne le développement d'un pays, l'avancement d'un pays, alors que nous avons 5 coupes d'Afrique. Donc, si le football apportait changement dans un pays, c'est que le Cameroun ne devait pas être dans tel état comme il est. Sans les routes, sans l'eau, sans l'électricité, électricité. Mec, sur les sorciers qui m'appellent là, qui dérangent. Life. Donc ça m'a été, je crois pas que ça m'a été pour être président des trucs. Je crois pas que ça m'a été pour être président du Cameroun ou bien le futur président du Cameroun. C'est d'abord quelqu'un qui est d'abord trop arrogant et il est conné. En anglais, on dit corny. Donc, c'est quelqu'un qui fait. Donc, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. En dehors de ça, et tout est Douala. Vous pensez que le pouvoir va se déménager à Douala? Jamais. Jamais dans la vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui le disqualifient. Ce n'est pas parce qu'on l'a mis président de FECA Foot que vous pensez que. Oh, il pourrait être président, jamais, ça va jamais exister. Et même si ça pouvait exister, moi-même je ne le souhaite pas. Hein. En tant qu'anglophone, je ne le souhaite pas. Hein. Je ne suis pas moi dans l'émotion. Hein. Je ne le souhaite pas qu'il soit président. Pourquoi il doit souhaiter qu'il soit président? Pourquoi il doit souhaiter qu'un doigt là soit mon futur président? Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas xénophobe, mais. Attends, un Douala, on peut n'importe qui, pourrait même être mon président. Mais tant qu'il s'exprime bien en anglais et en français, et tout ce qu'il fait, tous ces exercices qu'il fait, tu vois que ça concerne aussi les anglophones, ça les affecte aussi. Là, on pourrait dire non, c'est un bon leader pour un pays bilingue, comme le Cameroun. Mais quand on voit Etofis faire tous ces discours,
en français. Il n'a même personne là-bas pour traduire. Dans les vestiaires, ça fait sa fameuse discours en anglais. Il n'y a personne pour traduire. Partout, c'est en français. Donc, il s'en fout carrément des anglophones. Alors que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Et moi, en tant qu'anglophone, comment il peut le supporter? Parce qu'il ne me représente pas. Il me représente en quoi? Il y a le régime qui est en train de commettre un génocide dans les zones anglophones. Lui, il est là. Il ne s'est jamais prononcé. Ou bien c'est une technique qu'il est en train d'utiliser pour pénétrer le gouvernement sans créer des dégâts, des problèmes. Et ça ne m'intéressait pas. Je veux le sentir que c'est un frère. Comme on le supportait pendant toute sa carrière, on le supportait au Barcelona. Aujourd'hui, je veux aussi le sentir que non, c'est un frère qui peut être là aussi pour nous. S'il veut, je dois qu'il soit droit. Tu ne peux pas te permettre de tout faire en français. Tout tes discours, tout ce que tu fais, c'est en français. Même un joueur qui veut jouer dans l'équipe nationale, s'il ne peut pas s'exprimer en français, il ne croit pas qu'il peut jouer dans cette équipe-là. Parce qu'après les matchs, après pour faire les tests, toutes ces choses, tout ça, c'est en français. Et moi, en tant qu'anglophone, je serais en train de supporter les conneries comme ça. Moi, ici, en Europe, tu es obligé de tout faire en allemand, parce que c'est leur pays. On t'envoie les lettres que tu lis comme ça, ça casse ta tête. Mais il s'en fout. Même si tu viens d'arriver aujourd'hui là, en allemand, ou le lendemain, on t'envoie la lettre qu'en allemand. Et ce n'est même pas un petit allemand. Même il y a certains allemands, ils lisent ça, eux-mêmes ne comprennent pas ça. Mais au moins, si on comprend ça, c'est leur pays. Même quand parfois, on reçoit les lettres là, on est fâché. Parce que tout écrit en allemand. Et ils mettent les codes là-bas que tu ne peux même pas comprendre. Et c'est comme ça que tu tombes dans les pièges. Et dans mon pays aussi, tout est fait en français, alors que c'est un pays bilingue. Et moi, je serai en train de supporter ça. On voit les ministres à Tangadi et tous ces gens, tous leurs discours en français. Les anglophones, leur place est où? À l'étranger, on vous menace. Chez vous aussi, chez toi aussi, on te menace. Et moi, je serai en train de supporter vos conneries. Que oh, j'aime pas bien, oh, j'aime ton fils, non, jamais. Je ne les déteste pas, mais ce ne sont pas mes leaders. Ils ne me représentent pas. C'est simple, c'est si simple que ça. Ils me représentent à quoi? Son dernier discours qu'il a fait là, tout ça, c'était pas en français. Ok, mes gens alors vont comprendre ça comment. Son discours là, il s'adresse à qui? À tous les Camerounais. Est-ce que c'est tous les Camerounais qui s'expriment, qui comprennent le français? Un bon leader, c'est celui-là. Un bon leader, c'est celui-là qui peut s'exprimer, qui peut faire un discours en français, et après il le fait en anglais, en tant qu'un pays bilingue, ou bien mettre même quelqu'un qui traduit ça en anglais en même temps, pour respecter les deux côtés. Mais on s'en fout des anglophones. Et je vois même les frères anglophones, oh, et tout c'est le meilleur, et tout c'est le meilleur président, c'est parce que ces gens sont les gens qui n'ont pas de cerveau, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Les anglophones qui supportent Samuel Eto'o, c'est parce que vous n'avez pas de valeur, no dignity. You don't have any dignity, you're fools, you don't reason. Pensez que le blanc pourrait accepter les conneries comme ça. Même au Canada, on dit que le Canada est bilingue là. Vous pensez qu'il peut avoir un leader qui s'exprime seulement en français. Et le côté anglophone sera en train de le supporter. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter les deux camps. Il faut respecter aussi mes parents.
Une équipe doit envoyer même les joueurs anglophones. Après les matchs, c'est ceux qui sont obligés de s'exprimer en français. Ouais, si tu parles en anglais, personne ne va te prendre au sérieux. C'est pas bien ça. Donc, Itoufis est automatiquement disqualifié, ne peut pas être président du Cameroun. Jamais. En dehors même des anglophones, lui n'est pas du centre. On lui a déjà donné sa part de poste, c'est qu'à foutre. C'est qu'à foutre là, ce n'est rien. Le football n'apporte rien dans un pays. Le football n'apporte absolument rien dans un pays. Rien du tout. Rien du tout. Si ça apportait quelque chose avec nos 5 Coupes d'Afrique là, ça aurait déjà apporté un changement. Ah, les stades que nous avons construits, les stades incomplets, ce qu'on a même un peu construit, c'est entier, c'est détruit. Parce que nous n'avons pas de ligue. Il n'y a rien. Les Camerounais sont pauvres. Les Camerounais n'arrivent même pas à manger. Combien de Camerounais vont aller dans ces stades pour payer, pour regarder vos frères, les matchs? Combien de Camerounais? Les gens se lèvent le matin, ils cherchent, ils réfléchissent comment ils vont manger. Ils réfléchissent comment ils vont envoyer les enfants à l'école. Ils réfléchissent comment ils vont payer les loyers. Ils réfléchissent comment ils vont payer le courant. Ils réfléchissent même quand le courant qu'ils avaient payé, ça va revenir quand, parce qu'ils n'ont pas de courant. Pour charger même le téléphone, c'est le problème. Parfois, même, il y a même le courant, mais tu branches même ton téléphone, ça n'arrive même pas à charger ça. Alors qu'il y a le courant. Mais ça ne peut même pas charger un téléphone. Pensez qu'avec tous ces problèmes-là, le football peut apporter quoi? Le football marche dans les pays où les choses sont bien organisées, comme en Europe. Hein? Les gens ne se lèvent pas le matin, toute la journée entière, ils réfléchissent comment ils vont faire pour manger ici en Europe. Au moins ça, même comme l'Europe n'est pas le paradis, mais au moins, il y a certaines sécurités. Hein? Tu lèves le matin, tu ne réfléchis pas comment tu vas faire pour manger. Ou bien demain, tu vas manger quoi. Ou bien tes enfants vont faire quoi avant d'aller à l'école. Au moins, on ne réfléchit pas à ça. C'est déjà mieux. Mais au Cameroun, les gens se lèvent. Hein? Ils réfléchissent. Il a toujours des diplômes. Donc le travail même ne réfléchit même plus au travail. Il réfléchit comment il va survivre. Et vous pensez que c'est ces mêmes gens-là qui vont aller dans les stades pour payer les 10 000, les 5 000 pour garder les matchs. Non, le football n'apporte rien à l'État. Surtout au Cameroun, le football ne peut rien apporter. Il y a beaucoup de choses. Hein? Pour regarder d'avoir avant de parler du football. Donc, je ne sais pas vraiment ce que Itoufis a déjà fait. Ou bien déjà prouvé aux Camerounais que les gens pensent déjà qu'il peut être un bon président. Il a été déjà ministre. Il a été déjà où? Il a dirigé quel poste dans le gouvernement pour prouver qu'il peut être un bon président. Pendant 40 ans, les Camerounais ont souffert, mais ils n'ont rien appris. On est pressé à mettre quelqu'un comme président au pouvoir juste parce qu'on l'aime. Pas parce qu'il va travailler, pas parce qu'il va aider les Camerounais, juste parce qu'on l'aime. Donc vous êtes devenus les masos, quoi. Les gens qui souffrent, ils souffrent, on les torture, ils souffrent, mais ils refusent de réfléchir. Voilà des gens qui pouvaient être même encore les bons précédents, comme les Maurice Kamto, comme ça. Voilà les gens encore qu'on pouvait leur donner leur chance. Mais tel que le Cameroun est, on ne sait même pas si Maurice Kamto c'est complice de Pobia. Mais il pouvait toujours être complice de Pobia. Mais quand on voit faire ce discours, la manière dont il parle, le charisme et toutes ces choses, la sagesse, ça prouve qu'au moins il peut apporter un petit changement au Camerounais. On peut aussi lui donner sa part de chance.
à cause de jalousie, à cause de xénophobie, à cause du tribalisme, on pouvait tous souffrir. Ben, les autres sont là, non, le pouvoir nous appartient. Ils préfèrent que tout le monde meure, et mamie meure dans la souffrance. Alors qu'on devait être en train de chercher un bon dirigeant, sans regarder même s'il vient d'où. Même s'il vient du nord, south, n'importe où, même si c'est un pygmée. Mais tant qu'il peut bien diriger le Cameroun, essayer de changer les choses, essayer de diminuer la, corruption, parce que corruption, on ne peut pas, terminer ça complètement. On ne peut pas. Parce que moi-même, non, disons-nous la vérité, corruption, on ne peut pas, terminer ça totalement, mais on peut réduire ça. Parce que corruption aussi, ça aide même aussi au Cameroun. Bon, par exemple, tu arrives au Cameroun, parfois, il y a certains papiers que tu veux faire, c'est compliqué, mais tu peux te faire ça. Là, ça aide tout le monde, mais à certains niveaux d'où les gens vaut déjà les milliards, là, on peut essayer de stopper ça. Là, ça détruit carrément le pays, ça détruit l'avenir de nos enfants. Je sais que pour ça, là, l'étoffice peut travailler à 7. Si c'est pour la corruption, je sais que l'étoffice peut se battre pour réduire ça, mais l'étoffice lui-même, c'est un corrompu. L'étoffice lui-même, c'est un corrompu. Nous voilà qui vient d'être président de FECAFOOT. On nous parle déjà des 50 milliards qu'on a, que les femmes, les 50 000, 50 millions, ou quoi, les femmes partent pour un match amical. L'argent qui est monté là-bas, l'argent qui est... Depuis 2015, qui est officiel au Barcelona, que la justice espagnole le poursuivait à cause de taxes. Il est officiel esquivé. Une fois qu'il est élu président de FECAFOOT, donc voilà qu'il se présente. Parce que là, à ce moment, l'argent court. Il est parti régler ça. Ça avait l'argent de qui? Ça avait notre argent. L'argent de FECAFOOT, qu'il est parti régler ses problèmes. Donc ça veut dire que lui-même, il s'est corrompu. Parce que pourquoi il n'a pas réglé ça depuis, jusqu'à devenir président avant qu'il ait parti régler ça? Parce qu'il n'a pas besoin de dépenser son argent. En tant que président, il va dépenser l'argent de FECAFOOT. Ce que les gens ne savent pas. En tant que président, il va dépenser l'argent de FECAFOOT pour régler ça. Et ce qu'il a fait. Donc lui-même aussi, c'est un corrompu. Parce que c'était l'un de ses plans. Je ne crois pas qu'avant que l'étoffice devienne président de FECAFOOT, il avait encore tout son argent là. Non, l'étoffice était déjà foiré. Qu'il arrête de mentir aux gens, l'étoffice n'avait plus l'argent. L'étoffice n'avait plus l'argent. Arrêtez ce que vous cliquez sur Google ou sur Network d'étoffice, vous voyez les 80 millions, tout ça sont des conneries. C'est les blancs qui vous trompent avec ça. Pensez que en durant sa carrière, on lui donne les Bugatti, on lui donne les Ferrari, on lui donne ceci, cela, les jets privés. Parce que le blanc est bête. Le blanc n'est pas bête. Lui, il a eu combien? Il a eu combien? Vous pensez que toutes ces choses-là, ce sont des choses que vous présentez avec. Il faut être milliardaire pour avoir toutes ces choses à ta disposition. Il faut être un milliardaire d'abord. Même les milliardaires ont des problèmes avec. Quelqu'un qui avait que 80 millions, 75 millions, vous pensez que le jet privé, le Bugatti, tout ça là, il peut gérer ça. Ça aurait le rang de plat. On a vu le Iverson ici, il avait les 300 millions. Et il n'avait même pas le Bugatti et toutes ces choses. Mais son argent est fini. Et ton fils n'avait plus l'argent. Il a fait de mauvais investissements dans les maisons ici en Europe. Il y a certains qu'on a arrachés en Espagne et partout, qu'on ne vous dise pas. Qu'on ne vous dise pas. Il y a certains qu'on a arrachés. Où est ce Bugatti là? On voit être officiel ici avec Bugatti. Le Bugatti, où est ça? C'est où maintenant? C'est parce que être officiel n'avait plus l'argent pour conduire la voiture là, pour garder la voiture là. Et la voiture là, on l'avait donnée pour le foirer. Les blancs ne sont pas bêtes.
C'est la même chose qu'ils font avec tous les stars américains, les grands stars américains. À certains niveaux, on fait tout pour te détruire. On fait tout. Regardez les R. Kelly. On détruit tous ces stars. Vous pensez que R. Kelly était plus perverse que les blancs là. Mais pourquoi pour eux ne sortent pas? C'est rien que toujours pour les noirs qui sortent. Parce que le blanc te met en haut. En durant ta carrière, tant que tu peux encore les apporter de l'argent ou bien de richesse, tu peux les apporter encore des bénéfices. Et quand ta carrière est en train de prendre de fin, c'est autant là que aussi tu commences à découvrir les pièges qui étaient derrière toi. Et c'est ça qui t'est fini. Là pourquoi les Michael Jackson n'existaient plus. Ah, pourquoi celui-là, le Big Daddy, c'est Billy Killa. Il est en prison. Les Américains sont en prison. Beaucoup de stars américaines. Et ils finissent avec rien. Aussi les stars, tous ces stars africaines, c'est la même chose qu'ils font avec eux. Donc avant que Etofis devienne président de Fokafula, Etofis n'avait plus rien dans son. N'avait plus rien. Ils ne pouvaient même pas payer le dette. Que le taxe qu'on a demandé en Espagne ne pouvait pas payer ça. C'est après, quand il a eu le poste de Fekafout, que le robinet a commencé à couler encore. Il est parti régler ça vite fait. Donc ça serait mieux pour nous de bien réfléchir. Ça serait mieux pour nous de bien réfléchir. Je le pensais que Etofis peut être président de Fekafout, le président du Cameroun. Ça serait encore mieux de réfléchir à la souffrance que le Cameroun a souffert pendant 40 ans. Et bien réfléchir, est-ce que être président au Cameroun, c'est une blague? C'est une blague. Parce que quand les gens disent que Etofis est sous-président du Cameroun, ce sont des plaisantins. C'est parce qu'ils n'ont pas la souffrance. Ils sont devenus, soit ils sont devenus les masos. Ils n'ont pas encore compris que les Camerounais souffrent. On a vraiment besoin d'un leader. Il y a un leader qui comprend le monde entier. Il faut d'abord comprendre comment le monde se fonctionne. Et je sais que les gens comme Maurice Kamto comprennent comment le monde fonctionne. Ils comprennent ça. Il faut d'abord quelqu'un comme ça, comme le Paul Kandem. Comme Paul Kandé, qui comprend comment le monde, la mamaille qui se passe dans ce monde. Parce que le monde n'est pas que seulement avec la loi, avec Jésus. Non. Il y a une mamaille qui se passe dans ce monde. En tant que leader, il faut d'abord comprendre ça. Si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas diriger un pays. Tes ressortissants vont souffrir. Et tu seras obligé d'être un poupée. Et tu seras obligé toujours de tu seras toujours en train de te cacher parce que tu as honte. Alors, tu n'as rien foutu pendant 40 ans. Tu seras obligé de te cacher. Tu as honte. Tu as menti pendant depuis 40 ans. Les mêmes discours, les mêmes mensonges. Rien n'a changé. Là, il faut se cacher. Donc on a besoin d'un leader qui est charismatique, qui comprend comment le monde fonctionne. Comme le Paul Kandem, comme le président de Malawi là. Voilà quelqu'un qui a été président dans son pays au Malawi. Quelqu'un qui a vécu en Europe. Il rentre chez lui, devient président. 5 ans, il n'est pas sorti de l'Afrique. Et il a construit son pays. 5 ans, il n'est pas sorti de son pays. Quand il part en vacances, il part dans les autres pays africains. Dans les forêts. Et il a construit son pays comme l'Europe. Même chose comme Kandem. Voilà aujourd'hui, les Anglais sont prêts à envoyer les Asiliens au Rwanda. Un pays qui venait de sortir dans un génocide que nous tous nous avons vu. Qui traite déjà avec les Anglais. Pour apporter les Asiliens chez lui. Et nous, on regarde ça que la grande gueule, la grande gueule.
On dit on est bilingue. On dit on a un pays bilingue. Nous-mêmes, on tient de faire la guerre, on tient de tuer nos frères pour des choses qui n'ont même pas de sens. Il n'y a personne qui peut venir avoir une intelligence pour parler, pour changer les choses. On attend que les Blancs viennent stopper la guerre pour nous. Après, on va se placer quand nous sommes des excellences. Ça fait honte. 6 ans, personne n'est intelligent. Tout le monde joue au mendiant. Tout le monde joue au mendiant. Personne n'est intelligent de parler. Que non, il faut qu'on parle, il faut qu'on arrête cette guerre. C'est quand même nos frères. C'est nos pays qu'on est en train de détruire. Ce n'est pas le pays des autres. Ce sont les enfants avec les âmes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est parce qu'ils ont été traumatisés. Qui se disent que c'est rien qu'avec, c'est comme ça qu'il peut encore s'en sortir dans la vie. De deux côtés, on se détruit. On se détruit de deux côtés. Le pays n'avance pas. Il y en a certains qui en profitent, qui font semblant que non, c'est à cause de ces guerres que les choses n'avancent pas. C'est eux-mêmes qui avancent. Mais le pays même n'avance pas. Les gens me parlent de Samuel Eto'o, futur président du Cameroun, alors qu'elle est incapable de dénoncer quelque chose qui se passe, une génocide qui se passe depuis 6 ans dans un pays. Il est incapable d'ouvrir sa bouche, il a peur. Un président, ce n'est pas celui-là qui a peur. Un président, ce n'est pas celui-là qui fait semblant de ne pas voir les choses. Un futur leader, ce n'est pas celui-là. Un futur leader, c'est celui-là qui est prêt à donner sa vie. Lui, il est prêt à donner sa vie au football. Qui peut donner sa vie là-bas? Si vous êtes le futur président de FIFA, ce n'est pas notre problème. Le football, c'est une fantaisie, une ambition. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose dans la vie d'un homme? Lorsque tu pars payer pour regarder un match, lorsque tu te bagarres entre, parce que, ou bien tu te fâches, ou bien parce que le Cameroun n'a pas gagné un match, ou bien tu caches ta télé, après ça, ça change quoi dans ta vie? Ça ne change rien. Le football, c'est juste une fantaisie. Si le football changeait les choses, c'est que le Brésil devait être l'un des pays les plus riches sur cette terre. C'est que le Cameroun devait être l'un des pays les plus riches en Afrique. Mais le football, malheureusement, ne change rien. C'est juste un truc de distraction, même. Et voilà pourquoi ils sont intelligents. Ils ont mis Eto'o là-bas. C'est pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. Les Camerounais, ils n'ont pas trop réfléchi à ce qu'ils ont, tout le désordre, toute la destruction qu'ils ont créé. Pourquoi on ne réfléchit pas? Pourquoi Eto'o passe son temps à nous distraire avec ses images, avec ses... Voilà pourquoi lui, il est partout. C'est un imposteur. C'est un imposteur dans RDPC. C'est un imposteur. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser après, on va le jeter. Il ne serait pas différent des autres. Les gens, ils sont pas... Les gongons et tout, tous ces gens, ils ne sont pas dans l'émotion. Sont jamais dans l'émotion. Ils vont faire la même chose avec Eto'o. Ils vont utiliser Eto'o. Après, ils vont nous jeter quelque part. Partager ce groupe d'Eto'o. Partager dans le groupe de Camerounais. Et merci.